Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Elden Ring après avoir fait... La tour. Mais attends, il y a un truc avec la tour que je viens de capter là. Elle est pas vraiment finie parce que il y avait un côté haut à cette tour. Est-ce que le fait d'avoir battu le boss, ça a débloqué le haut de la tour? Parce que oui, nous on est allé en bas. Mais un haut. Un haut, c'était fermé, un haut. Est-ce que maintenant c'est ouvert, un haut? Ou alors il faut que j'arrive à trouver où est-ce qu'on... Ah, c'est bloqué. C'est toujours bloqué. Bah fuck. Alors soit il y a un truc caché dans la tour. Soit... C'est genre un autre endroit, genre il faut que je... Si ça se trouve, je peux aller de l'autre côté ou un truc du genre, j'en sais rien. Ouais, ça se trouve, il y a peut-être un autre endroit où je peux continuer à monter. De toute façon, je peux prendre des risques, là. J'ai quoi? En termes de runes, là, j'ai tout dépensé. J'ai 32 000. Bon, j'ai quand même 32 000, en vrai. Alors, attends. C'est combien, là, pour passer au niveau supérieur? Parce que je peux peut-être claquer des runes, là. Monter de niveau, c'est 36 000. Ah, je peux complètement claquer des runes. Hein. Complètement. Je suis à 32, ça je crois que ça fait 2000. Donc j'ai juste... Ah non, oula, 7500. Ah, c'est ça qui vaut 2000. Merde. Putain, mais c'est trop chiant. Pourquoi ils ont mis le single en premier? Ça, c'est une erreur de design, hein. Je suis désolé, mais c'est une erreur de design. Hein. C'est pour nous obliger à faire du menuing. J'ai dit que c'était combien? 36 ou 38? Je sais plus. C'était 36, mais il me manque 100. Il me manque 100. Combien ça? 200, allez. Ça part. Hop. Et on est au level 79. Alors, bon, maintenant on a plus de runes sur nous, on peut faire le con. Est-ce que ça continuait? Est-ce qu'il y avait quelque chose à choper là-bas? Non, là, il n'y a rien. Je me demande si on peut monter encore plus haut dans cette tour, en fait, en prenant un autre chemin. Ou pas forcément plus haut, mais un autre endroit, quoi. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, là, je m'en bats les couilles de crever, ok? On va se dire ça. Il y a peut-être un truc à aller choper là-bas. Et moi, je viens pas de là, moi. À la base. Ah bah déjà, il y a ça à choper. Rune de Numen. C'est-à-dire... Quand tu me dis que tu t'appelles Rune de Numen, ça veut dire que t'es qui? Une multitude de runes. 12 500 runes. Ah ouais. C'est que ça déconne zéro. Le mec avait 12 500 runes sur lui. Alors qu'est-ce qu'on a là? Pas grand chose à part la mort. Hein. Attends, je suis bloqué là. Y'a plus rien. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par FromSoft. Parce que là, y'a littéralement plus rien là. Là, ça, je peux pas. Non, je peux clairement pas. Après, y'avait peut-être que ça. Hein. Et forcément, y'a un autre passage dans ce tour parce que. Je comprends pas sinon comment être dans la partie haute. Ou alors, et c'est complètement possible, c'est une histoire de parler pipède. Non, c'est juste une histoire de
C'est juste une histoire de téléportation, peut-être qui te fait atterrir tout en haut, je sais pas. On sait rien. Bah là, on peut pas aller plus loin. Parce que là, ouais, y a pas grand chose. Y a pas grand chose. Et puis là, c'est la fin. Hein. Je pense à chaque fois que je ressors, ma lampe doit s'éteindre. Ou alors peut-être qu'elle s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Et qu'elle doit se recharger. I don't know. Ouais. Ok. Mais regardez-le, l'autre là-bas. Là. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un autre... Un autre truc à choper quelque part, j'en sais rien. Un autre ascenseur là-dedans, j'en sais rien. Une autre entrée, c'est possible une autre entrée. Hein. Parce que là par exemple, moi j'ai choisi de monter direct, il me semble. Et après je suis parti, là je sais plus où. Mais là déjà, ici il y a un autre truc. Ici il y a des gens. Donc s'il y a des gens, c'est qu'il y a potentiellement des trucs intéressants. Genre là, cette partie basse aussi, on peut y aller. Donc là, c'est soit là, soit là. Je vais visiter d'abord ici. Je sais pas. Je sais pas si cette partie basse... J'y suis allé là. Me dit rien. Ok. Bon là, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Je vais tellement level designé de zinzin. Là-bas, on peut continuer aussi. Hein. Ça doit passer en double saut. Ça doit complètement passer. Est-ce que ça se rejoint pas tout ça là? Finalement. Que forcément là j'ai pu y aller en fait. Petit problème de hauteur. Est-ce bien utile de vouloir aller là? J'ai pas l'impression, ouais. Dans tous les cas. J'ai l'impression que c'est plus du troll qu'autre chose ici en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à accomplir. Je vais redescendre. Redescendre en balle. Je vais bien finir par découvrir un nouveau truc. Non? Non. Le jeu me dit ferme-la et arrête de vouloir découvrir quoi. Ouais, en fait, il y a qu'un seul chemin, il y a qu'un seul truc à découvrir à l'extérieur. OK. Alors, je vais quand même redescendre tout en bas.
Oula, il y a un cercle de mobs là-bas. Ah, parce que toute cette partie basse là, je l'ai pas faite. Je sais pas ce qu'il y a. Donc on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Champignons toxiques. Ah, pas trop envie de les bouffer ceux-là. Ah oui, parce que je pourrais y accéder comme ça là en descendant, ok. Qu'est-ce que c'est, une réunion ici? Marqueur unique. Cherche de force sombre. Reste de plaie. Arteria. Ok. Ouais, y avait deux trois trucs à récup. Pas si je vais trouver quelque chose. Hein. Pas trop de place pour les curieux, je crois, ici. Hein. Clairement, pas trop de place pour les curieux. Bon, ok. Alors, on va dire que... Bon, c'est-à-dire, on va dire qu'on a fini la tour divine, mais on l'a pas vraiment fini, vu que la partie haute, je sais pas comment y accéder pour l'instant. Quel est mon but, actuellement? Je ne sais pas quel est mon but. Starb, là. J'ai pas fait, ça. Toute la partie nord-est, j'ai pas faite, je crois. Il me semble. Qu'est-ce que c'est? Attendez. I got a message. Ah. Alors, donc d'ici, je vois un arbre. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Eh bien, allons-y, parce qu'effectivement... Donc ça veut dire qu'il va y avoir sûrement un combat, du coup. Contre un arbre ou un truc du genre, non? Il y a des pots. Il y a des pots, là. Est-ce que c'est des pots vivants ou c'est des pots morts? Est-ce que c'est des pots mortes? Arbre monde mineur. Normalement, il y a un boss arbre. On va redescendre. Parce que là, je pense que je vais me fight. Pas les mobs avec des lances. Oh, il y a un gros bousier là. Ça, je crois que les rouges, c'est les attaques, non? Je sais plus. Aïe. Ah! Il m'a fait peur le coup. Mourir, je suis mort. Oh le con, je suis mort. Ah, un hit de tuer le bousier. Je suis trop bête. Je voulais absolument tuer le bousier. Pourquoi, je ne sais pas. L'appât du gain. Je sais plus ce qu'il donne, les rouges en plus. Et ça, c'est le vrai problème dans ce jeu. Tu vois un truc, tu veux y aller, puis finalement, c'est comme dans Zelda, en fait. Comme dans BOTK ou BOTW, genre tu vois un truc et en fait, t'envoies 50 autres sur le passage et t'es en mode, putain, attends, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, déjà? That is a problem. Mais non, mais... Attends, comment j'ai fait pour m'équiper juste de mon bouclier? Ok, ouais, il a disparu. J'ai fait quoi comme commande pour m'équiper juste de mon bouclier, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que j'ai branlé, putain de bordel de merde, mais je... Vas-y, c'est bon, je me déteste, ok? Je me déteste actuellement. Oh, ce bruit. Ah, y a un dragon. Y a un dragon. Qu'est-ce que j'ai branlé, bordel? Bon bah ça sera pas pour tout de suite le bousier. Mais il y a tellement de chemin. Ah voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je tue. Avatar putride. Avatar putride toi-même. Et je crois que ça en cheval c'est... Je crois que ça en cheval c'est de la merde. Vaut mieux y faire en... Vaut mieux y faire à pattes. Yes. Ouais, je crois qu'à cheval c'est pas fameux, mais je sais plus. Oh, il a de la putréfaction, bien évidemment. Les figés, ça doit pas être loin. J'imagine. Je vais réessayer quand même. Même si je suis pas. Ah. Des trucs pas contents là-bas. Putain, je l'ai même pas vu. Mais je suis coincé dans le décor. Ma vie, c'est de la merde. Il a vite fait de la vie, lui, quand même. Hein. Ah yes, j'ai rien pu faire. Du moment où j'ai été dispoon, j'étais mort. Je n'ai rien pu faire. Donc ouais, en fait, ouais, si c'est pas mal à cheval, c'est juste qu'il a certaines attaques. Genre là, la dernière qui m'a faite, qui m'a dismount, elle était genre, c'était une attaque suivie. Genre littéralement, il a tourné sur lui-même. What? Le mob a tourné sur lui-même juste pour pouvoir me choper. C'est un peu ridicule. Ouais, voilà, c'est cette attaque là. Cette attaque, en fait, il fait une attaque sautée. Mais genre qui te vise directement, donc compliqué quoi. Ah yes, les dégâts de la putréfaction. Ça va être trop chiant ces trucs de putréfaction. Et en plus ça va giga loin hein. On ronfle. Nous ronflâmes. Caché. C'est vrai que c'est des vases. C'est vrai que c'est des vases, bordel. Niveau protection, c'est pas trop ça. Le combat qui dure 1000 ans quoi.
jamais de ma vie je peux lui faire des dégâts de saignement, lui. Un arbre. Ça prend des dégâts de saignement, un arbre? Ah yes, ah yes. J'adore les coups dans le vent. C'est un concept que j'adore. En fait, la putréfaction elle te fait des dégâts alors que t'as même pas stacké le truc, genre je comprends pas. Faut te cheater. Fasse du feu en fait. Mais les dégâts c'est n'importe quoi. Hein. Nous rompichâmes. Oh sa grand-mère, je vais m'endormir. Est-ce que je viens de... Est-ce que je viens de troll 5 minutes de combat là? Est-ce que c'est ça que je viens de faire là? Est-ce que c'est ça qui vient de se passer là? Je viens de troll 5 minutes de combat. Attaque, tu peux rien faire genre quand t'es à dos de cheval. Tu ne peux littéralement rien faire. Attends, mais vu que c'est un arbre, il veut pas genre il veut pas se prendre les éclairs là genre en vrai. Tiens là, au niveau de la plante, c'est quoi, c'est la plante qui prend? Non, c'est quoi qui prend? J'ai l'impression que c'est un peu au hasard. Mais non, mais putain, le truc écarlate de mes couilles là. En vrai, c'est un arbre. Viens te prendre la foudre là, s'il te plaît.
j'en suis sûr, il peut se prendre la foudre. Ah bah tu vois, voilà, ça fait tomber des arbres. Ah mais il veut pas venir jusqu'ici. Il vient jusqu'ici. Oh, il est pas drôle. Bah ouais, mais je veux dire, tant qu'il me fait cette attaque En fait, je peux gratter un petit peu au début tant qu'il me fait pas cette attaque, mais du moment où il me fait cette attaque, je peux rien faire. Ou alors si, il faut que je me barre très vite, mais j'ai... En fait, j'ai pas le temps de capter l'attaque et de me dire, ah tiens, il faut que je me barre parce que c'est cette attaque. Genre, c'est pas possible. Bah voilà, en fait, non, je n'ai pas le temps. Je n'ai juste pas le temps, ce n'est pas possible. Là, pour le coup, j'aurais pas gratté grand chose. Hein. Ça, c'est trop chiant. En fait, c'est la partie du combat qui fait qu'il dure 1000 ans. C'est juste qu'il met son putain de truc écarlate là. C'est putain de putréfaction. Du coup, je sais pas si je devrais pas me mettre du gel pour ce combat. Que le sang il s'en bat les couilles. Le saignement. Le saignement, il s'en balèque. Je crois pas que j'ai des dégâts de feu. Je suis mort sur cette attaque, quoi. Dire que je suis mort sur cette attaque. Pas mal. J'hésite du coup. Que ça soit un peu moins long. J'ai pas possible de grâce. De grâce. De toute façon, je n'ai pas de. Je n'ai pas de rune, donc on s'en branle de ce qui peut se passer. Je voudrais juste voir ce que j'ai en termes de. Alors ça j'ai ça. Magique, foudre, sacré, glacé. Magique. Est-ce que je remets juste pour ce moment-là? Parce que là, je m'étais remis en acéré. Parce que glace, apparemment, c'était pas trop ça. Je vais me remettre le pouvoir de glace aussi. En fait, je vais plutôt faire ça comme ça. C'est juste pour voir si je peux lui stacker. Si je peux lui stacker des dégâts de glace, quoi. Parce que là, il y a 0 dégâts de sang. Donc. Vu que c'est un putain d'arbre. Parce que ça doit être pareil, genre en fait, tout ce qui est arbre. Et je sais pas, peut-être des ennemis comme des peaux ou des trucs comme ça, ou tout ce qui est métal aussi, à mon avis ça, ils doivent s'en battre les couilles de mes saignements, mais d'une force. Nice. Je suis mort. Ah non, mais j'ai cru que je l'étais. Qu'est-ce que je branle? C'est ça mon problème. En fait, il s'est passé une chose, c'est que je regardais juste la barre. Je regardais sa barre de PV en bas et je me disais, est-ce que ça va proc ou pas? C'est tout. Et j'ai pas vu en fait si ça avait proc ou pas, donc enfin moi au moment où j'ai regardé ça, pas proc. Donc je sais pas si ça peut proc.
I don't know. Ah si, ça proc. Ok, nice. Ah, si je suis derrière. Ah, en fait, il met la... Ah, il met la truc que devant lui, en fait. Le problème c'est que de temps en temps je retourne quand même dedans parce qu'il en stack trop. C'est grave d'être nul hein. C'est quand même grave d'être nul hein. Bon au moins le combat va beaucoup plus vite comme ça. Ok, donc on saura que contre les arbres le gel c'est pas mal, ça stack plutôt bien. C'est grave d'être nul hein, vraiment hein, je vous le dis hein, c'est y a un vrai problème à être nul. Merde. Éclaté au sol, c'est grave. Putain, je continue à mal timer cette putain d'attaque. Grave. C'est grave. Le boss, je l'aurais déjà terminé il y a 15 minutes si j'étais pas nul à chier, genre vraiment. Ça me dépite parce que il est pas compliqué, c'est juste que je suis nul, genre c'est trop chiant.
C'est trop trop chiant. Je connais toutes les attaques, il n'y a rien de compliqué, il est giga lent. Et pourtant, je continue à troll. Qu'est-ce que je fais, genre, vraiment, genre, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je cherche juste à mourir. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que des mauvaises décisions parce que j'ai envie de le taper en fait. Genre je grid. Littéralement c'est du grid et du coup je fais n'importe quoi. Aïe 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 aïe, quand est-ce que je comprendrai? Parce que j'aurais pu torcher en 10 minutes. Et ben je vais le faire en 1 heure. Parce que je fais de la merde. Désolé pour ce segment un peu nul. Le gel ça proc beaucoup moins souvent que la glace hein. Et d'accord hein. En vrai faut dire que quand je suis enseignement je suis à 75 je crois, là je dois être à 35 je pense, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça doit un peu jouer quoi. Forcément, ça doit un peu jouer. Yes. Ah. Ah yes. Ah yes. Je vais mourir. Un HP. C'est complètement bloqué en fait, je pouvais rien faire. Bloqué contre une racine ou un pot, je sais pas trop. Franchement, c'était mérité si je mourais. Genre c'était mérité parce que j'ai trop fait de la merde à la fin. C'était mérité. Si je mourais, franchement, j'allais me ronger le frein, mais au moins c'était mérité. L'arme solidifiée opaline. Et l'arme fissurée à aiguillon de pierre. Qu'est-ce donc que ces deux choses? Je crois qu'il y en a un, c'est pour une potion, non? Bah les deux en fait. Dans une fiole, améliore temporairement la résistance aux dégâts. Oh, c'est pas mal.
Dans une fiole augmente les chances de briser la posture des ennemis en attaquant. Oh. Et mais attends. Mais c'est vachement bien les deux. Jusqu'à maintenant j'étais en mode ouais mes trucs ils sont pas ouf par rapport à ce à ma classe. Là je viens de drop deux trucs de fou là. Hein. J'hésite à me faire une potion avec hein. Parce que ça c'est un one shot en fait. C'est ça qui. Je la trouve pas ouf au final. Et finalement c'est qu'une fois quoi, t'as un bouclier une fois. Ça c'est tout le temps. Enfin. Tout le temps de la potion quoi. C'est ça que je veux dire. Ça c'est bien aussi, améliore temporairement l'endurance, c'est quand même pas mal. Mais j'avoue que ça là, j'ai envie de faire une potion. J'ai trop envie de faire une potion. Alors attends, d'abord on va continuer par là. Voir si on trouve pas un... Attends. Parce que ça c'est un arbre monde mineur. Et il y a aussi... En fait, c'est juste le dessin de l'arbre monde mineur, ça? Ou il y a un arbre, un petit arbre que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y a un arbre que j'ai pas vu? Où je peux récupérer genre un truc de fiole, là, ou non? Non, je pense qu'on parle que de... On parle que de l'arbre géant, là. Je pense, hein. Je l'aurais vu s'il y avait un petit arbre. Bon, allons voir vite fait ce qu'il y a là. En plus des éclairs. Ah putain, mais attends. Attends, mais il y a quoi ici, viaduc? Pourquoi j'ai... Je pense que j'avais dû découvrir un... Un téléporteur. Non, parce que là, en fait, j'ai 91 000, je viens de remarquer. Donc on va peut-être... hein. On va peut-être faire ça d'abord. 26. On augmente un peu la vie. Boum. On va retourner en arrière. Ah, mais oui, il y avait un dragon sur ce pont. Ça y est, I remember. Ça me dit quelque chose maintenant, effectivement. Ah, attends, potion. Ou je change de potion. Parce que sinon, je vais jamais le faire. Il faut aussi que je me remette en saignement. Voilà. Heureusement que je pense à des trucs. De temps en temps. Rune majeure. De toute façon, j'en ai qu'une. Ça, pareil, je suis sûr que je peux m'en faire d'autres. Parce que j'en ai une autre, là. Mais je sais plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut aller dans des tours. Il faut aller dans des tours spéciales. Mais là, on m'en demande trop, là. Acéré. Donc ça c'est ok. Ensuite, fiole sacrée. Ajouter une dose. Utiliser 5 graines dorées pour augmenter le nombre de doses. Non mais j'en ai pas. Répartir les doses. Améliorer les fioles sacrées. Non bah alors attends, c'est pas de ça qu'on parle. Ah c'est ça. Mélange de salut miraculeux, voilà. Retirer. Et à la place, on va mettre ça. Donc, améliore temporairement la résistance aux dégâts. Et augmente les chances de briser la posture des ennemis en attaquant. C'est fort. Enfin, pour moi, ça a l'air fort. Après, peut-être c'est éclaté, je sais pas, tu vois. On va dire que c'est fort. Après, bon, je t'avouerai que... La posture d'un dragon, bof, tu vois. Je sais pas sûr qu'ils aient une barre de posture. J'avoue. Le combat le plus brouillon de l'histoire. Je
joli jumper est mort. Alors le problème... Là, clairement le problème c'est le lock. Non. Là le problème c'est le feu. Ne jamais être devant un dragon. Ne jamais être devant un dragon. Ça brûle. Au secours maman, ça brûle. Alors là le problème ça va être de repasser derrière le dragon. Et je roule un dragon. Est-ce qu'on fait Taïo? Taïo, c'était pas une bonne idée. Oh là là. Le skill du mec quoi. Dégâts de saignement. Les couilles. Ah putain, double attaque. C'est gênant. C'est extrêmement gênant ce qui vient de se passer. Il était à un hit de mourir. Et je n'ai aucune de mes attaques qui l'a touché. Je suis ravi. Oh, comme je suis ravi. Vraiment, cette VOD, elle est pleine de malveillance, je trouve. Je trouve que cette VOD est particulièrement pleine de malveillance. Entre l'arme, entre l'arbre pardon, et le dragon, je trouve qu'ils sont pas très sympas, quoi. Si je peux me permettre. Ah, un hit. Let's go. Je pouvais le one shot, mais non. Ça ne s'est pas déroulé comme ça. Ah, j'ai pas pris mes âmes. Oh.
fait. Où est-ce qu'il tire? Complètement enfoncé dans le sol là. Là je lui tranche la gorge et il est mort direct normalement. Pas vu arriver. On m'en bat trop quand il fait son feu là, genre c'est un peu bizarre. Il est sur le côté du pont mais ça touche quand même le pont. Voilà. Enfin, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Ouais. Bon, en soi, j'ai resté vachement plus longtemps avec le cheval, maintenant qu'on connaît un peu ses techniques. En vrai, y a peut-être moyen que j'arrive à le garder jusqu'au bout si je fais pas de la merde. Bon, j'ai tenté. Je vais faire attaquer qu'esquiver. Cette attaque, elle est trop bizarre. D'ailleurs, il a fait la même, sauf qu'elle est allée sur le pont, quoi. Ah yes! Ah ça, Elden Ring. Ah ça. Faites un monde ouvert, mais faites reset les mobs. Non, c'est super, non, franchement, c'est génial. Surtout un dragon. Non, mais surtout un dragon qui peut aller où il veut, bien évidemment. Putain. Ah ça va, ils ont pas reset sa vie, ok, ça va, j'ai rien dit. J'étais sur le point de m'énerver là.
dois bien avouer que j'étais sur le point de m'énerver là. J'arrive pas à l'esquive ça. Tous. Reset du coup, j'ai pas pu le toucher, ok. Il lui reste un HP, si je meurs, ça va vous dire que je vais l'avoir très mauvaise. C'est bon. Pourquoi c'est toujours comme ça avec Elden Ring? Pourquoi? Il m'a juste donné un cœur de dragon, je suis un peu déçu j'avoue. Je m'attendais à une arme un peu stylée. On a eu quand même 80 000 âmes, ce qui n'est pas... ce qui est quand même pas mal. Je ne vais point cracher dessus. Qu'est-ce qu'on se met en stats? ...25 d'endu. Elle remonte à 35 de vigueur. Et après, il faudrait que je commence à réfléchir à où est-ce que je veux aller, quoi. Le truc, c'est que c'est un peu compliqué de savoir où je veux aller, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Genre, actuellement, mon Ushigatana, il fait le taf, quoi. Donc, faudrait juste que je trouve un sabre meilleur. Mais bon, ça... Je ne sais pas quand ça sera le cas. On est à quoi? On a une heure de VOD. Ok, on va s'arrêter ici. Des bisous sur YouTube. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.